Alors, salut à tous et salut à toutes, c'est Diversité et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 6 de Resident Evil 3. Donc on va y aller direct. Donc là, normalement, logiquement, on devrait pouvoir faire démarrer le tramway, en toute logique, puisqu'on a un petit peu tout ce qu'il nous faut. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va poser les rubans encreurs. Hop. Oula. Et là, on fonce directement au tramway. J'espère quand même qu'il y aura une scène avec Nicolas que moi j'ai déjà vu deux fois, mais à chaque fois c'était dans, comme je vous avais expliqué, c'était dans deux bugs un petit peu d'upload. Donc finalement, j'ai pas pu vous la montrer. Et j'espère qu'elle est encore présente à ce moment-là du jeu. Je pense. Alors là, les chiens, par contre, une fois qu'ils sont sortis, vous embêtez plus trop puisqu'ils sont un peu genre occupés par un cadavre, donc c'est moins gênant. Ah, bizarre. Ça me fait peur pour la suite. Oh, fuck that shit. Ok, c'était pas du tout comme ça. Ah, non, lâche-moi. Me jette pas. Il m'a jeté. Ouais, parce que dans la scène d'avant, en fait, il y avait pas... Enfin, quand je repassais ici, quand je faisais mes allers-retours, il y avait... Oh, attendez, je suis blessé. Ouais, il y avait pas Némésis, mais genre, il y avait des zombies qui sortaient de la fenêtre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, ouh, ça sent mauvais. Alors là, il y a toi qui rentre, donc je te brain. Ensuite, il y a toi, donc je te brain. Toi, tu manges, donc tu ne fais pas chier. Toi, je te brain. Toi, je te brain. Ah, dommage. Il y a juste le dernier qui était caché dans les feuilles que j'ai pas réussi à brain. Tac. Bon, on va enfin aller voir à quoi ressemble ce beffroi. Ça, c'est encore changé. Il n'y avait pas ça avant aussi. J'espère vraiment qu'il y a la scène avec Michael. Ok. Ça, c'était pas du tout prévu. Mais donc, du coup, je sais pas sur les scènes avec Michael, mais franchement, c'est dommage. Si jamais elle y est pas, je vous conseille d'aller la voir sur Internet. Puisqu'elle est vraiment pas mal du tout. En fait, vous voyez Michael qui, malgré qu'il est blessé, qui affronte une armée de zombies. Wow. Oula, alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tailler. C'est quoi ça? C'est quoi? Ah! Un groupe électrogène. Activer l'interrupteur. Oui, je vais manger. Oh! Ah! C'est l'interrupteur qui commande l'échelle. Il lui faut de l'électricité pour fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut que j'active encore d'autres trucs. Là il y en a un. Ah, il m'a croqué. C'est l'interrupteur de... Ah oui, c'est bon. Oui, c'est ça. Ah non, non. Il m'a croqué en mode... Ah, tu croyais que tu... T'étais sauvé? Bah non. Dites-moi qu'il y a encore la scène. Non. Ah, dommage. J'aurais dû faire l'aller-retour... que j'avais fait dans la partie 5. Voilà, en fait, il se bat contre des ennemis comme ça, il est... Yeah, motherfucker, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et après, il y en a encore plus au loin, et en fait, il pousse ce truc et il tire dedans. Elle est magnifique, cette scène. Mais dommage. Je vous conseille d'essayer d'aller la voir sur Internet. Alors, depuis la cité, le mélange d'huile a été consommé. On l'utilise. Et on l'utilise. C'est la première fois aussi que j'utilise mon kit de soins. It looks like we're ready to go. Here, take this.
Alors, qu'est-ce qu'on donne? Des grenades au napalm. Oui, je prends. Merci, Carlos. Ok. Nikolai won't be joining us. I understand. Ah, donc Nikolai est mort. I'll operate the cable car. Let's go. Dans la partie d'avant, enfin, je sais pas s'il est mort, on voyait pas de cadavre, on voyait juste une énorme tache de sang avec son PC cassé. Eh bien, Nikolai, je suis désolé, t'auras pas ton moment de gloire contre les zombies. Parce que le pot d'a foiré. Donc, t'en veux à moi le gâteau, pas à moi. It's looking good. Ouais. Ouh, Michael est dans la merde apparemment. Va falloir aller voir, je suppose. Et ce que je suppose aussi, c'est que je vais pas aimer être allé voir. Mikhail! T'abandonne, Miguel. Get out of the cable car now! Mikhail, wait, don't! Get out of here! Hurry! Non, mais c'est ce que j'allais faire, hein. Je suis désolé, Miguel. Je l'ai vraiment. Oh, il y a une scène qui l'a laissé. Sauter par la fenêtre, utiliser le frein d'urance, bah utiliser le frein d'urance. Bon, ça va, ça s'est pas si mal passé. Donc voilà, Nika. Encore une scène. Ah d'accord, c'est pour nous dire qu'on est arrivé au beffroi, c'est ça. Oui, donc je vous disais, donc Mikael là est mort. Il s'est fait exploser avec une grenade pour empêcher Nemesis de nous attaquer. Donc franchement, moi je l'aimais bien Mikael, autant encore Nikolai. Je trouvais que c'était un connard. Enfin, je sais pas, je n'aime pas se fermer de l'intérieur. Ok, c'est bon, je suis content de rester avec ces piafs. Là, il y a de l'herbe bleue, qu'est-ce que tu veux que... Je vais dire, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Vous voyez, il y a trois herbes vertes à côté. Alors, bien sûr que je prends. Attends, le corbeau, fais pas chier. Là, je suis en train de ramasser de l'herbe, tu vois. Mais en plus, c'est à consommer immédiatement. Alors, par là, il n'y a rien. Alors, est-ce qu'il faut faire un truc spécial pour ouvrir? Allez, foutez-moi là. Je peux pas les buter, ces pierres. Regardez, il y a un piaf qui s'est coincé.
La lumière est belle. J'adore la lumière de lampadaire, il est très sexy. Il est un peu bloqué. Bon, il a dû voir tous ses potes se faire massacrer, il a dû dire ok, on va éviter de foutre la merde. Putain, mais c'est où je dois aller? Ah, là-bas. Là, je... Eh bah dis donc, c'est dur à trouver. Ok. Alors, on a deux portes donc qui mènent dans une grande salle. Enfin... Yes. Non, celle-là, c'est pas où je vais aller. Ouais, ouais. Donc, du coup, celle-là, elle est fermée. C'est fermé. Un cadran est gravé sur le trou de la scène. Et là-bas, c'est ouvert. La clé B. Donc est-ce que c'est celle qui va me permettre de... Oh ouais. Là j'ai des trucs assez intéressants. Deux poudres B là et deux ici. Enfin deux poudres A ici. Voilà, comme ça on se fait une petite poudre CC. Donc là ça prend toujours un minimum. Et comme je vous avais dit, une fois que je m'étais dit une fois qu'on arrivera au beffroi, j'utiliserai un peu le fusil à pompe, histoire de... On va quand même se créer les grenades double C, je crois que c'était... Ah, je sais plus. On va voir ça tout de suite. Une grenade à l'azote. Ben voilà, c'est bien sympa. Tac. Tac. On va s'équiper du poton. Juste un truc, puisque aussi vu que j'ai utilisé un spray de soin, est-ce que je peux les associer à mon kit? Mais oui, je peux. Voilà. Donc on va continuer un petit peu dans le beffroi. Oh là là. Oh là là. Je peux voir ça, la clé du beffroi, voilà. Pourquoi une petite scène? I don't believe it. You're alive. I'm not sure how we're gonna get out of this town. What are you talking about? We made it. You don't get it. They have no intention of letting us make it back alive. Do you really think we can trust their great evacuation plan? Huh, it's just a piece of paper. But we don't have any other choice than to trust them right now. No, if we're gonna die, then we should get to choose when it happens. Oh! No. I just... can't handle it. Reviens, Carlos. Fais pas le con. Alors, excusez-moi, je vais voir Carlos puisque c'est un personnage. Oula, 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 oula. Ah, dommage, j'ai tenté le triple drain. Ah, la headshot. Double headshot. Bon, vous êtes d'accord, il a pu partir que par là.
il est pas là. C'est-à-dire qu'il est sorti dehors. Ah, mais arrêtez, elle est chez moi. Je l'ai retrouvé, mais il est sérieux, lui. Il m'a bouffé deux fois. Je dois retrouver mon ami, laissez-moi tranquille. Le pauvre, il se sent seul. Carlos, t'es là? Il nous a déverrouillé la porte ici. Absolument pas. Carlos s'est volatilisé. Déjà. On ne sait pas où il est parti. Mais il y est parti. Je suis en train de penser quand même, les herbes bleues, elles sont un peu inutiles dans Resident Evil. Oh, mais c'est pas vrai, mais dégage! Oh, et en plus, je me trompe de porte, celle-là, c'est la salle des soldats. Ah là 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 là! Je sens que je vais adorer ce défi. Ok, cartouche de fusil. Mais oui, éloigne-toi de la porte en plus. Mon dieu. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à voir si ce défroid est... est plus grand que le commissariat, si on peut dire. Est-ce que j'ai besoin d'allumer le feu dans la cheminée? Je me demandais ça à toutes les cheminées, hein, depuis. Bon, bah, j'ai gagné des grenades. Ouh, excusez-moi, il est sorti tout seul, celui-là. Je m'y attendais pas. Bon, bah, on a gagné quelques grenades en plus. De l'herbe bleue... Oh, de la cartouche. Encore plus de balles. Il y a quelque chose dans sa main. Instructions. Les instructions de l'équipe ECHO des UBSC. Décontaminer le centre-ville, puis évacuer les derniers habitants dans le beffroi. Sauver les employés des filiales d'Umbrella en priorité. Restez vigilants sur les sujets contaminés, sont extrêmement résistants et vous attaqueront sans la moindre hésitation. Procédure d'évacuation. Dès que la mission est accomplie, ou s'il devient impossible de la remplir, évacuez le secteur sur le champ. Un hélico se tiendra à votre disposition en dehors de la ville face au beffroi. Lorsque vous serez prêt à évacuer, sonnez la cloche du beffroi pour donner le signal à l'hélicoptère. Ok, donc là en fait notre but ça va être de monter tout en haut du beffroi. Voilà, vu que je savais qu'ici ça pouvait se déverrouiller, comme ça c'est fait. Donc je disais quoi? Ouais, donc le but ça va être de monter tout en haut du beffroi pour faire sonner la cloche et que l'hélico vienne nous chercher pour qu'on puisse se tailler de cette ville de malade. Mais non. En fait, à chaque fois qu'elle fait des esquives, il y a un petit temps où genre elle bouge plus du tout. Ça y est! Enfin! Et je rappelle que j'avais 3 trousses de soins sur moi! 3! Enfin. Ouais, j'avais une trousse de soins avec 3 kits soignants. Fuck that! Bon, il en fallait bien au moins. J'allais pas faire un Resident Evil sans Game Over quand même. Mais bon, on va au moins retourner au beffroi. Ça veut dire qu'il faut que je me retape le petit ver de terre, là. Enfin, le gros. Bon, maintenant que je sais ce qu'il faut faire, ça devrait plus être très dur. Bon, allez, on va tracer et on va s'arrêter à la première salle du beffroi.
non, mais oh, c'est bon, je viens de me manger un game over, c'est pas le moment de m'énerver. Saloperie. Voilà. Excusez-moi pour le pauvre zombie, je sais qu'il avait rien à voir dans le fait que je me sois tapé un game over, mais... Mais voilà, quoi. Essaye de me choper, c'est bon, ça suffit. Pas. Gentil avec les zombies. J'essaye de pas les tuer. J'essaye de pas les tuer, genre... pour pas qu'on dise... Hein, tu massacres les zombies, mais c'était des gens... Ouh, joli esquive. C'était des gens avant, tout ça. De toute façon, toi, profite bien, Nemesis, puisque quand tu vas être dans le 3 mois, tu vas manger légèrement cher. En tout cas, on l'a pas vu depuis... depuis que Nicolas... Depuis que Michael s'est sacrifié, on l'a pas vu. Moi, je m'attendais à le revoir direct, arrivé à Beffroi en mode « Hey, tu pensais que ton pote, il avait servi à quelque chose ?» Bah non. Bon, je pense pas qu'il soit mort, hein, Nemesis. Mais n'oubliez pas que c'est une créature invincible. Donc, disait oui, n'oubliez pas que c'est une créature invincible, donc c'est sûr que il va pas mûrir. Et qu'il va sûrement revenir. Mais au moins, Michael nous en a débarrassé pour un petit moment, j'espère. Bon, je suis désolé hein, de vous remontrer ça, mais bon, vous connaissez hein, les game over. C'est si vite arrivé. Bonjour. Tu veux voir ma bête? La voilà. Mon Dieu, mais c'est énorme. Bon, maintenant que je connais le... D'ailleurs, maintenant que je connais le truc, ça, je devrais plus trop me faire toucher. Là, je suis bien dans sa bouche. Là, je suis bien dans sa bouche. Dès que je vais avoir appuyé sur l'activer, il va me donner un coup de croc. Vite, vite, vite. Allez, descends, vite, 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 voilà. Donc après, on va passer la scène, on va tracer à la salle de sauvegarde, reprendre une nouvelle fois la clé Beffroi, refaire les grenades azote, et après, on va s'en arrêter là. Et je suis toujours dégoûté pour la scène avec Michael. Que déjà, comme vous voyez, il meurt un peu en héros, on va dire. Enfin, en héros. Normalement, mourir en héros, ça c'est... Ouais, si, il a essayé de nous sauver, il s'est sacrifié pour nous. Donc ouais, on va dire qu'il est mort en héros... un petit peu, au moins. Il a fait une tentative d'héroïsme. Après, elle ne s'est pas forcément bien conclue. Mais au moins, il a des boots. Je veux dire, entre la scène que vous avez pas pu voir et celle-là, moi, Michael, ça devient mon poteau. Et je vais lui rendre hommage, je vais appeler cette vidéo « La mort de Michael ». Pour vous montrer à quel point c'est devenu mon meilleur pote. Ah oui, c'est vrai, là tu me donnes les grenades napalm, merci mon pote. La petite tapette qui va se la péter, enfin, qui va péter son câble dans le Beffroi. Understand. I'll operate the cable car. Let's go. Tac. Donc là, Michael est toujours vivant. Nous avons détruit le continuum espace-temps, les gens. Nous avons ressuscité un mort. Nous avions encore jamais fait ça. Ah oui, c'est Select pour passer les scènes. J'étais en train d'appuyer sur Start comme un boulot depuis tout à l'heure.
Bon, nickel. Mikhail! Stars! Je kiffe les Nemesis aussi. Au revoir, Mikhail. Get out of the cable car now! Ah ouais, c'est ce que je vais faire, t'inquiète. Et voilà, retour à la réalité, Mikhail est remort. Voilà. Là, je crois que celle-là, vu que c'est une scène à choix, on peut pas la passer. Donc, j'avais choisi d'utiliser le frein d'urgence. Tac. Comme je vous ai dit, je ferai toujours les mêmes choix. Peu importe les game over, le choix que j'avais fait à l'origine, je le referai toujours. Allez, pas ça, c'est bon, je sais que le tramway se crash, qu'après on se retrouve au beffroi et qu'on est tout content. Je vais aller récupérer les trois herbes aussi. Et le be- Ouh, il y a eu une jolie petite vue pendant le loop. C'est à cause de vous, fucking corbeau. Bon, alors là, je me fais un peu plaisir avec le fusil d'assaut, mais c'est vrai que là, dans ce jeu-là, j'ai énormément de balles. Franchement, j'ai énormément de munitions. Et du coup, vu qu'avec Rebirth, c'est zéro, j'avais déjà pris l'habitude de les esquiver, bah, je continue cette habitude. Et c'est vrai que là, je pourrais vraiment plus me permettre de tuer tout le monde, ce qui m'aurait évité un game over, d'ailleurs. Mais au moins, ça me fait économiser une triple herbe. Il faut voir les choses du bon côté. Bon, allez, on va se faire la poudre CC. On va se faire tout ce qu'on a à se faire. Et on va s'en arrêter là pour cette vidéo qui aura duré une petite trentaine de minutes. Cette vidéo où Mikhail nous aura montré qu'il avait des bullshit. Mais je suis toujours dégoûté qu'on ait pas sa scène. Ça, je serai dégoûté, je pense, jusqu'à la fin du jeu. Parce que je vous l'avais... J'ai eu deux fois la possibilité de vous le montrer et ça foirait. D'ailleurs, si cette capture foire... Attendez. Il n'y a pas un petit problème, là. Pourquoi j'ai plus les poudres? Ils m'ont baisé mes grenades azote. Oh, les enfoirés. Les enfants, ils ont fait tout. Je comprends pas. Pourquoi j'ai plus les poudres? Bon, je dois vous avouer que sur ce coup-là, j'ai pas tout compris. Mais c'est pas grave, on verra ça pour la prochaine. On va sauvegarder. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même s'il y a eu un petit game over. Je vous le mettrai pas dans le titre. Normalement, quand j'ai le premier game over, je mets toujours premier de game over quand je suis sur Resident Evil. Là, je vais pas vous le mettre, ça va être la petite surprise. En tout cas, j'espère que cette partie vous aura plu. Et une petite minute de silence à Nikolai. Mais vous la fraîchez-vous, hein, parce que moi j'ai la flemme. Allez, à plus!